Dans une vidéo exclusive que nous avons trouvée sur les réseaux sociaux, un intellectuel français explique d'une façon limpide le mensonge de l'aide publique au développement de la France à l'Afrique. Il insiste en disant la chose suivante. L'aide au développement que la France donne à l'Afrique est essentiellement l'argent de certains pays africains qui se trouvent en positive dans les comptes d'opération via le mécanisme du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Africain, mais je vais vous dire en deux mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leurs comptes. Il y en a qui sont toujours justes ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Comment peut-on penser, après avoir écouté ce court passage de vérité, que la France aide l'Afrique? La France est un pays pauvre et indigne qui a construit essentiellement son développement sur l'exploitation inhumaine de l'Afrique. Esclavage, colonisation et néocolonisation. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Peut-on démentir un président de la République de France qui a été élu deux fois lorsqu'il affirme que la richesse de son pays vient essentiellement de l'exploitation de l'Afrique? Il est temps pour l'Afrique de comprendre que aucun pays au monde ne s'est développé avec cette aide publique au développement. Ce décryptage est une réponse au mensonge de cet élu français raciste qui a affirmé que la France ne devait rien à l'Afrique. C'est plutôt l'Afrique qui doit tout à la France. La France ne leur doit rien. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage d'association qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3 008 d'enfants africains étaient scolarisés, 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc il faut arrêter. On leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Et j'ajoute, parce que depuis, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide publique au développement. L'Agence française pour le développement, si je prends l'exemple de M. Aboubakar, de Guinée, en 2017, selon le rapport de l'AFD, on a versé 106 millions d'euros pour la Guinée. Juste l'AFD, des collectivités, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, verse pour des projets scolaires, culturels, etc. La France verse pour ces pays-là depuis 50 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, la France ne leur doit rien. Je veux bien qu'à chaque fois on se retranche derrière l'odieuse puissance colonisatrice. Et donc on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos compatriotes qui, eux, sont dans la détresse et mériteraient effectivement l'État-providence. La rupture entre la France et l'Afrique est plus que jamais nécessaire. Pendant combien de temps encore devrions-nous accepter d'être traités de la sorte? Merci de partager ce cours décryptage. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.